spectacle sans tapis, des personnages clonés, des manèges d'Expo 67, un diable au violon rouge, voilà autant de personnages de la collection d'art populaire que vous verrez cette semaine à Porte ouverte. L'art populaire, c'est pas uniquement des personnages. Ça aussi, c'est de l'art populaire. C'est une pièce relativement simple. Alors, c'est une maquette de la maison où on se trouve. C'est François Couillard, qui est un mécanicien, ferblantier, couvreur de Limoilou, qui, par habileté, dans son métier, a décidé de reproduire sa maison. Alors, c'est aussi simple que de se faire plaisir, d'enjoliver la vie, de reproduire sa maison. Alors, l'art populaire, on voit bien, ça s'inscrit dans notre environnement immédiat. Là où on ne le soupçonne pas, il y en a de l'art populaire. Et d'ailleurs, comme nous sommes dans le quartier populaire de Limoilou, à Québec, il y a un élément de l'art populaire qui s'inscrit dans l'architecture qui est assez particulier, et on va aller voir tout de suite de quoi il s'agit. Alors, voici les rampes de galerie garde de cœur en fer ornemental. Et c'est assez particulier parce qu'on peut voir que l'artiste, alors qui a fabriqué ces rampes-là, s'est même exprimé en intégrant une fleur, une tulipe. Alors, déjà, l'expression artistique est très visible. Et on peut voir ici cette espèce de motif à la grecque. Mais ce n'est pas un motif à la grecque. Il s'agit de chutes de patins récupérées dans une entreprise de Giffard qui s'appelait Saint-Laurent Métal dans les années 40-60. On en retrouve partout dans le quartier Limoilou. On en retrouve même dans le quartier Montcalm. Et sur l'île d'Orléans, on peut en voir aussi. Mais c'est exclusif à Québec, autour de Québec. C'est quand même assez exceptionnel qu'un élément d'une entreprise de patins liée au sport d'hiver, liée à notre climat, se retrouve en élément décoratif sur une galerie. Ça, c'est la culture populaire qui s'exprime à travers une dimension artistique. Il y a quelque chose d'exceptionnel. Et on va aller voir, parce que l'art populaire, c'est aussi de la sculpture, c'est aussi de la peinture, c'est aussi bien d'autres choses. Et on va aller voir dans la collection d'art populaire du Musée de la civilisation ce que ça nous réserve réellement. Nous sommes dans la réserve des multimatériaux. Alors, c'est une réserve, évidemment, qui contient énormément d'objets. C'est peut-être la plus grosse réserve en termes de quantité et aussi en termes de diversité, comme son nom le dit, de matériaux. Et l'art populaire est une collection qui est très représentative de ce genre d'utilisation ou de ce mode d'entreposage dans le multimatériau. Alors, là, on est face à la collection de Rosario Gauthier, qui est parmi les 1500 pièces que contient cette collection d'art populaire, et pour plus de 100 artistes connus, identifiés. Rosario Gauthier est un des plus grands représentants de cette collection d'art populaire. C'est un corpus qui nous permet d'avoir un portrait synthèse du Québec, mais à la fois aussi des différentes thématiques qui sont abordées dans l'art populaire. Alors, Rosario Gauthier, c'est un corpus d'études important pour nous, qui nous permet d'avoir une vision synthèse de la collection d'art populaire. Évidemment, il y a beaucoup d'autres artistes derrière cette collection-là, mais on va tout d'abord s'intéresser au cas de Rosario Gauthier. Je vais choisir une pièce qui est un dindon parce que, pas un dindon sauvage, mais un dindon domestique, c'est que Rosario Gauthier, dans sa vie, a élevé des dindons. Et ça, c'est une des caractéristiques des artistes populaires. C'est qu'ils représentent finalement une histoire de vie. Les objets ne sont jamais anodins. Ils sont toujours associés à un élément d'une histoire de vie, enfin toujours, je dirais plus souvent qu'autrement. Et Rosario, comme il a élevé des dindons, c'est assez extraordinaire, c'est très coloré, ses pièces. On voit qu'il met beaucoup de temps à représenter, puis il a sa vision justement du monde animalier, parce que dans la catégorie des artistes populaires, il y a toute cette catégorie qu'on appelle des animaliers, qui est sans doute une des catégories les plus importantes chez les artistes populaires au Québec. On peut comprendre pourquoi, dans un pays comme le nôtre, où l'univers animalier, la présence de la forêt, la présence de l'agriculture, tout cet univers-là a habité à la fois les hommes à différents niveaux, au niveau de l'emploi, au niveau des loisirs également par la chasse. Donc, c'est un univers très présent dans l'art populaire. Rosario, c'est pas un lettré. Il savait lire.
c'était pas un analphabète, mais ses sources d'inspiration, somme toute, étaient limitées et il travaillait beaucoup avec un gros dictionnaire, alors un vieux dictionnaire des années 40-50, dans lequel il regardait son imagerie et il reproduisait des pièces. C'est ainsi qu'on peut voir des animaux exotiques qui font pas partie du tout de notre paysage, mais qui, lui, le fascinait dans ses sources d'inspiration. Alors, il reproduisait ces animaux exotiques-là, sa vision de l'exotisme. Les artistes populaires aiment beaucoup reprendre un peu comme un conte, comme une légende, reproduire un objet qui appartient à une autre époque. Il y a une idéalisation du passé dans les sculptures d'art populaire. Alors, Rosario, c'est un exemple absolument extraordinaire de ce qu'on va retrouver chez les autres artistes populaires, dans les autres régions du Québec. Puis là, je parle des régions du Québec. C'est sûr que Rosario, son monde, quand on l'examine comme il faut, il est propre à sa région, le Saguenay, le monde forestier, son univers. Si on va en Gaspésie, on va retrouver d'autres artistes populaires qui vont produire des pièces qui vont être associées à leur univers, alors la mer. Par exemple, en Gaspésie, on va retrouver beaucoup d'oiseaux maritimes, comme des goélands, comme des fous de bassin. On va retrouver des poissons, parce que l'univers du poisson est très présent dans leur quotidien. Alors, c'est un art qui reproduit le quotidien, qui va l'idéaliser. L'art populaire, c'est, je dirais, c'est une longue complainte western. C'est le cri du cœur qui s'exprime dans différentes facettes. Par la diversité, justement, on a peut-être un exemple fort intéressant qui est ici, qui est une scène, simplement, une scène de beuverie. Alors, une scène de taverne, appelons ça une scène de taverne. Alors, ça montre quand même que il y a énormément de thématiques et on n'hésite pas à reproduire finalement quelque chose qui peut être un geste relativement banal, prendre un verre, mais c'est quand même significatif dans des moments donnés ou dans des sociétés données, surtout quand on pense à Rosario Gautier, c'est un homme de son temps. Rosario Gautier est né au début du siècle et est décédé vers 1996, donc une scène comme ça pour lui, c'est certainement pas anodin. On regarde ici en dessous, on voit des personnages religieux. En fait, il s'agit des personnages de crèche. Puis on garde la dimension, c'est surdimensionné. Là aussi, la religion est très, très importante. Évidemment, ça appartient à une catégorie de l'art populaire, qui est ce qu'on appelle l'art populaire plus traditionnel. Mais la religion, le thème, le monde du travail, l'univers traditionnel, le monde animalier. Dans Rosario Gautier, ce qu'on voit justement, ces thèmes-là sont très, très présents. Si on regarde ici, par exemple, vers en haut, il y a une scène de... c'est tout simplement un couple. Donc, la dimension du couple, la dimension de la famille, c'est quelque chose d'important. Ils sont assis, c'est un petit chalet, on sent qu'ils sont dans le bois. Encore une fois, c'est une référence à l'univers de Rosario Gautier. Ici, il y a une scène de cuisson de pain. Aujourd'hui, bon, on ne fait plus le pain de cette façon-là, sauf que du temps de Rosario Gautier, il y a une idéalisation parce que ces gens-là, souvent, ont posé encore un geste aussi traditionnel dans leur enfance. Donc, il y a ce besoin d'exprimer une enfance heureuse, un monde qui est, encore une fois, qu'ils ont idéalisé, qui était leur jeunesse. Alors, on va aller voir un personnage de la culture populaire qui est fort intéressant. Et aussi, pour en finir avec Rosario, parce qu'on a le goût d'aller voir d'autres sculpteurs que M. Gautier. Alors, je vais sortir deux personnages qui appartiennent véritablement à la culture populaire. Alors, le frère André et MacDoug Vachon. On est comme aux antipodes de deux choses, c'est-à-dire la religion et, bon, la lutte, ici. Alors, MacDoug, évidemment, c'est un personnage qui a marqué toute notre légendaire des hommes forts du Québec. C'est aussi une thématique qui est très abordée dans la sculpture populaire, celle des hommes forts. Puis si on regarde dans les récits de contes et légendes, dans toute l'histoire du Québec, c'est très, très présent. Donc, c'est pas étonnant que c'est une thématique présente chez les artistes populaires. MacDoug, c'est un lutteur qui, jusqu'à dans les années 70, a été très présent sur la scène télévisuelle. Et le frère André, voilà un des grands thaumaturges, un des grands guérisseurs du 20e siècle. C'est lui qui est à l'origine de l'oratoire Saint-Joseph. C'est un guérisseur. Les gens vouent une très, très grande dévotion au frère André. Alors, c'est pas peu dire comment, au milieu du 20e siècle, le personnage pouvait être aussi important. Malgré sa mort en 1937, par la suite, il a continué à être représenté sous différentes formes de statuettes. Et Rosario Gautier, évidemment, lui aussi, on voit très bien qu'il vouait une dévotion au frère André. Alors, c'est intéressant de voir comment, dans le fond, l'art populaire puisse
aux origines de leur culture populaire. C'est ce qui les influence. Ici, on a une collection qui est très ancienne, qui a été acquise dans les années 72. C'est Joseph Schenck. Un aspect intéressant, c'est qu'au-dessus de Joseph Schenck, il y a Gérard Demers. Vous remarquerez, chacun, ces deux artistes-là, font des personnages comme en série, je dirais des clones. On a l'impression que c'est des gens qui ont inventé le clonage avant la science. Tous les personnages se ressemblent, ils ont une expression similaire. C'est autant vrai chez Gérard Demers que chez M. Joseph Schenck. Schenck était de Beaumont et Gérard Demers de l'ancienne Lorette. Alors, ça montre la diversité de la sculpture populaire, ça montre la diversité des intérêts, des thématiques. Alors, parmi les artistes qu'on a vus, en voici un qui est tout à fait spécial et original, parce qu'on est dans les années 60, il s'agit de Léo Joe Bourget. Alors, Léo Joe Bourget, c'est un personnage, comme vous pouvez voir, assez particulier. Il est né dans la région de Montréal. Léo Joe Bourget, je pense, dans sa vie, a travaillé à différents petits métiers. Et très tôt, il s'est consacré à son œuvre, qui était de représenter des manèges dans le cadre de l'Exposition universelle de 1967. Mais son projet, finalement, a comme pas connu de fin, si ce n'est que pour lui d'avoir réalisé quelques pièces qui sont principalement des manèges. Et on va aller l'actionner juste pour vous montrer, parce que son plaisir, c'était de créer des mécaniques. Et on va voir que tout fonctionne, parce que le manège s'actionne. Alors, imaginez la complexité quand même du montage d'une pièce comme celle-là. Alors, Léo Joe Bourget, c'est un des beaux artistes populaires de notre collection au niveau de la réutilisation des matériaux de récupération. Tout ça, c'est de la récupération, de la réutilisation. Alors, c'est très contemporain comme œuvre et, à mon sens, il y a quelque chose d'annonciateur chez les nouveaux artistes populaires qui sont à venir. À quelque part, c'est l'urbanité, c'est la modernité. Et on va aller voir justement un artiste populaire qui s'appelle Bruno Champagne, qui nous amène tout à fait dans un autre univers de l'art populaire qui est celui d'aujourd'hui. Moi, j'aime beaucoup remonter les choses parce qu'il y a des matières premières qui sont super. Comme vous avez des clous ici. Moi, j'ai tordu des clous, je fais mes chaînes avec ça. Vous avez des ustensiles aussi qui ont servi à faire la couronne ici de la jeune fille punk. Le niveau symbolique est très, très fort dans votre œuvre. Ça, c'est assez remarquable. On a une crucifixion aussi qui est particulière, qui est vraiment pas banale. Je permets finalement de cibler ce détail-là ici. Ça c'est la roulette. C'est une roulette. Ouais. Une roulette, là, qui fait office quasiment de couronne d'épines. Ouais, c'est assez spécial. C'est un petit peu le nom du personnage. Okay. Quand on a signé le comme le Christ, on voit sa marque. Henry, ouais, c'est bon, ça. Lui, c'est sa roulette russe. Okay. Il joue, là, c'est son dernier coup. S'il rate son coup, c'est un gars qui va peut-être se suicider. Le poids ici, c'est qu'un... Ça représente un chapelet. Okay. Les boules du bingo. Là, on sait qu'il joue comme au bingo, c'est au travers. Il attend le numéro gagnant. Puis pourquoi il n'y a pas de souliers ici? Là, il a commencé à perdre des vêtements. Il a perdu une bottine, il va perdre l'autre, il va perdre ses culottes, exactement. On est vraiment dans la culture populaire, mur à mur. Une autre pièce qui appartient à la tradition et revisitée par Bruno Champagne, c'est celle de la légende du diable beau danseur. Mais je sais que c'est pas moi qui l'ai inventé, la légende, mais je l'ai repris parce que, comme on dit dans notre historique, dans notre vécu, c'est une histoire que j'ai entendue, puis le diable est toujours une pièce qui fascine les gens. C'est quoi les éléments symboliques, comme ici? Là? Ça, c'est de la... Ça, c'est comme s'il fallait qu'il protège. L'œuf, ici, en fin de compte, c'est probablement le diable, peut-être. Mais ça ne veut pas dire que ça va être lui, parce qu'il peut y avoir des milliers d'œufs. Mais chaque œuf est important d'être protégé. Lui, il protège celui-là. Parce que des petits diables comme ça, il y en a partout, dans l'imaginaire.
Après avoir vu des objets dans la réserve 306, les collections d'art populaire, on va s'offrir le plaisir de les regarder plus attentivement. Alors, on va voir ces objets qui, par leur fonction, ne sont pas purement décoratifs, mais, comme le dit le mot, art populaire utilitaire. Alors, ici, le cheval qu'on a, c'est un siège d'enfant de barbier. Alors, c'est le fun parce que c'est associé à la pratique d'une profession et en même temps, c'est véritablement un objet qui a été décoré, façonné pour distraire dans un but ludique au niveau des enfants quand les jeunes enfants venaient chez les barbiers. Alors, on disposait tout simplement, on peut voir ici, c'est une planchette arrière, on la disposait sur les accoudoirs des fauteuils de barbier et ainsi, les enfants étaient à la hauteur du barbier pour se faire faire les cheveux. Alors, et pendant ce temps-là, et parce qu'on sait qu'il y avait toujours... Les enfants n'aimaient pas se faire couper les cheveux, alors ils étaient distraits par le jouet et s'amusaient. Alors, la pièce est fascinante, c'est une tête de zèbre, donc on est dans l'univers à la fois de l'animalier, mais des animaux exotiques, et on peut présumer que le barbier a fait lui-même cette pièce-là, ou l'a fait faire par un artiste qui avait certaines habiletés. Alors, les couleurs sont tout simplement extraordinaires. On voit, c'est dans son état d'origine, c'est rare qu'on trouve des objets qui ont véritablement des couleurs très anciennes, parce qu'ici, on est quand même autour de 1910-1920, donc c'est une pièce ancienne. La pièce vient de la région des Cantons de l'Est. Elle a été trouvée vers les années 1998 et nous, on l'a acquis dans les années 2000. Alors, une très belle pièce d'art populaire utilitaire qui nous montre encore une fois que l'art populaire, ce n'est pas un art purement décoratif, mais aussi un art fonctionnel. Alors, toujours dans l'art populaire utilitaire et pour se faire plaisir, bien sûr, on va regarder une petite pharmacie. Alors, c'est un petit meuble qu'on retrouvait dans les maisons à partir des années 1920. Ce petit meuble-là, on le trouvait dans les salles de bain et tout près des sources d'eau où on devait faire sa toilette. Alors, ici, ce qui est particulier, elle est très ornementée de façon générale, mais ce qui est très particulier, vous allez le voir tout de suite, c'est les jumelles Dionne. Alors, on va jusqu'à inscrire les noms de chacune des jumelles, là, Annette, Yvonne, Mariette, Marie, Émilie et Cécile. Imaginez tous les objets qui ont été façonnés, fabriqués avec l'effigie des jumelles. Ce n'est pas étonnant qu'on retrouve sur une pharmacie comme ça cette représentation-là parce que c'était tellement représenté à l'époque que l'artisan qui a décidé de faire ce petit meuble-là, l'a intégré. Tout comme différents autres symboles, parce qu'on a l'impression que c'est un meuble de cirque, tellement que c'est ornementé, c'est assez flamboyant, c'est pas courant qu'on voit ce type de meuble-là. On voit d'ailleurs les lions ici, une symbolique, on les retrouve aussi dans les armoiries canadiennes, c'est un symbole de force, alors je ne sais pas s'il y a un lien avec les jumelles. Ici, à l'arrière, il y a le symbole des oiseaux qui se bécotent. Alors, évidemment, c'est le symbole amoureux, le symbole du couple. Alors, probablement, on pourrait même supposer qu'elle a été faite dans le cadre, elle a été offerte au début d'un mariage. Et c'est arrivé à quelque part entre 1934 et peut-être 1940, si on regarde par la représentation des quintuplettes. Alors, elle est très, très ornementée, elle est magnifiquement ouvragée. C'est toujours un très, très bel exemple de l'art populaire utilitaire, comment d'un objet qui peut être banal, qui est tout simplement une petite armoire qui sert à garder des produits d'usage courant, soit pour la toilette ou les soins du corps, comment on peut l'enjoliver, on peut enjoliver son environnement à partir d'un fait d'actualité. Ça devient une armoire qui nous raconte un récit, une histoire de vie. Alors, une petite armoirette vraiment extraordinaire qui fait partie de la collection nationale aussi. Alors, voici une pièce assez exceptionnelle parce que de cette qualité-là, un masque de Mardi Gras qui date des années, on est possiblement autour des années 1930-1940. Il en existe très, très peu dans les collections publiques et même chez les collectionneurs. Alors, c'est certain qu'on examine une grande pièce. Alors, peut-être pour remettre en perspective, on parle du masque de Mardi Gras. C'est un masque qu'on portait au moment où on célébrait la Mardi Gras ou la mi-carême. Aujourd'hui, on ne la fête plus beaucoup. Ça a été remplacé maintenant par l'Halloween. Alors, on faisait bombance avant la période du carême, où là, c'était une grande période de privation. Alors, les gens se déguisaient, les gens portaient des masques, ils se promenaient de maison en maison. Il prenait un verre, il mangeait, il faisait bombance avant le carême qui allait suivre pendant 47 jours par la suite.
Alors, c'est véritablement une grande pièce qui nous parle de nos traditions, qui nous parle de cette culture religieuse d'une autre époque, qui est déjà plus celle que nous vivons aujourd'hui. Alors, c'est un témoignage assez exceptionnel. Alors, on peut voir au niveau de la fabrication, c'est une conception rudimentaire, une conception simple. C'est une seule pièce de bois sculptée qui est peinte par la suite, qui est décorée. Il y a une bandelette de cuir qui retient la partie de tissu qui permet de dissimuler davantage le visage parce que, évidemment, le but de l'exercice, quand les gens se promenaient de maison en maison, c'était de ne pas se faire reconnaître et de prendre plaisir à ce que les gens identifient qui était derrière le masque. Celui-ci, on l'appelle le masque au beurre noir. C'est probablement quelqu'un qui avait trop fêté. Il y a eu un risque. Il y a un œil au beurre noir, alors c'est pour ça qu'on l'appelait le masque au beurre noir. Ici, la bouche a été faite de façon telle à ce qu'il puisse fumer la pipe. Alors, c'est véritablement un petit joyau, une pièce extraordinaire de l'art populaire. Alors, nous sommes dans la section de la ruée vers l'art de l'exposition L'art des Amériques au Musée de la Civilisation, présentée à l'été 2008 dans le cadre du 400e anniversaire de Québec. Dans cette exposition-là, ça nous a permis de voir un tableau d'art populaire tout à fait exceptionnel et de voir comment un tableau de cette nature peut contribuer à une exposition aussi prestigieuse. D'abord, une photographie qui a été prise par la presse vers les années 1896, qui rend compte de ce groupe de Canadiens français qui sont allés faire le Klondike, alors la ruée vers l'art, et qui ont fait fortune, parce qu'évidemment, à l'époque, c'était pas tout le monde qui faisait fortune au Klondike. Alors, eux avaient réussi à faire fortune, et au retour, un certain P. Honoré Doré avait décidé de se construire un hôtel qui portait le nom, justement, du claim sur lequel il avait prospecté son art, alors l'Eldorado Creek. Et cet hôtel-là, qui était situé au coin de la rue Saint-Joseph et l'Angelier, boulevard L'Angelier à Québec, s'appelait l'hôtel Eldorado. Et à l'intérieur, il y avait un bar avec un grand miroir à l'arrière. Et lui avait demandé à un peintre qui était un inconnu, un artiste populaire de son temps, de lui repeindre cette grande scène, cette grande épopée du Klondike. Et c'est ce qu'on va aller voir précisément ici. Il y a le titre de l'œuvre, le claim de Georges de Metz en pleine opération sur l'Eldorado Creek. Alors, c'est très rare qu'on va voir là, des œuvres intitulées de cette façon-là. Ça, quand on va voir ça, c'est véritablement pour des œuvres commémoratives. D'ailleurs, c'est tellement commémoratif qu'au centre, le personnage central, on pense que c'est P. Honoré Doré, celui qui a commandé l'œuvre, alors le propriétaire de l'hôtel Eldorado sur la rue Saint-Joseph. Et encore une fois, on a un titre, il y a un personnage central, c'est quasi un autoportrait, et il n'y a pas de signature de l'artiste. Ça, on voyait ça beaucoup dans l'art populaire ancien. Maintenant, de nos jours, on le voit de moins en moins. Les artistes sont fiers de signer leurs œuvres. Alors, dans ce cas-ci, c'était pas important. Ce qui est important, c'est la scène, c'est de marquer l'histoire du propriétaire qui commande l'œuvre. Alors, le tableau représente toutes les scènes, enfin, tout ce qu'il fallait faire pour retrouver l'art sur le site, c'est-à-dire l'extraire du ruisseau. Donc, et on voit même, ils étaient en train de construire une cabane en bois rond, en pièce sur pièce. On voit des toiles de prospecteurs. On voit les conduites forcées, c'est-à-dire les conduites d'eau. Et il y a un effet tout à fait intéressant. La conduite d'eau, ça n'a pas été peint. C'est l'effet du miroir, l'effet glacé derrière qui émite comme l'eau qui coule dans les conduites forcées. Alors, tout ça représente les opérations qu'on faisait à l'époque pour faire l'extraction d'art là, sur l'Eldorado Creek. Donc, c'est une œuvre d'art commémorative. Des pièces de cette qualité-là, on n'en voit pas beaucoup, on en trouve rarement. Celle-ci, c'est un peu le hasard, c'est-à-dire c'est la famille Doré, les descendants de M. Doré qui a fait faire ce tableau-là, qui l'avait conservé précieusement parce qu'il savait bien que ça racontait un moment important de l'histoire du Klondike et des Canadiens français qui sont allés justement faire cette grande ruée de l'art. Mais imaginez, quand on l'a trouvé la première fois, il y avait une pellicule très sombre qui recouvrait la surface, parce qu'il faut s'imaginer, c'est dans un bar, ça a été là pendant plus de... disons, en 40 à 50 ans, selon les informations qu'on a eues, et il y avait un voile là, sur le dessus. Alors, on a dû en faire une restauration. Et quand la restauration a été complétée, il y a eu encore plus de détails qui nous ont été livrés. Évidemment, la pièce s'est dévoilée de façon magistrale. C'est quelque chose d'exceptionnel. Alors, c'est une pièce majeure. Et ça nous montre l'importance, c'est-à-dire l'importance de l'art populaire. On peut avoir une exposition de cette envergure
comme on a présentement, c'est-à-dire l'art des Amériques, et il y a des pièces prestigieuses ici. C'est une grande exposition. Et à côté, on peut retrouver une pièce d'art populaire faite par un artiste inconnu qui peut sembler banal, mais le récit qui est raconté, le témoignage de ce document-là, et c'est un document, bon, en deux dimensions, parce que c'est une œuvre sur toile, mais ça devient un témoignage très, très précieux. Et moi, j'ai consulté énormément de littérature pour voir ce qui existait au niveau des pièces d'art populaire qui relataient cette épopée-là, et on a retrouvé très peu de choses. Donc, c'est un témoignage spectaculaire d'un phénomène qui dépasse largement les frontières du Québec. La semaine prochaine, à porte ouverte au Musée de la civilisation, l'autopsie des personnages de cire. C'est un rendez-vous à ne pas manquer.